Recoucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on a tout simplement maintenant à suivre un objectif qui est pas trop loin, à 70 mètres. Bon, il est même un tout petit peu plus bas. T'inquiète pas, elle va survivre. Elle a des atouts spéciaux maintenant activés pour les grandes chutes. On lui fera pas trop mal. Donc là on va dans l'appartement de quelqu'un. Alors qui est-ce qui se cache là-dedans? Ouais d'accord, mais toi t'es vraiment sérieux comme gars. Bon, dis, il rentre pas par les portes, mais il rentre vraiment d'une façon un peu étrange chez les gens, tu sais. Il se cogne la tête devant les portes, c'est encore pire. Bon écoute, je vais pas chercher midi à 14h ta porte, toi. Je vais passer par le toit. Ah bah tu peux. Ah mais ils ont tout fermé. Ils se bagarrent avec des serpents, je crois. Et tous les portes sont fermées. Mon dieu, c'est quoi son domaine à lui? Incroyable, comment tu rentres dedans? Faut que je trouve en fait un point d'entrée, mais... Bon, merci la souris, tu dégages. Je vous ai dit, c'est chiant de capturer avec deux moyens de capture différents. J'ai aucun moyen d'y parvenir, peut-être par là. Putain, c'est vraiment incroyable, hein. Merci. Ah, bah, ah, putain, y a pas de porte, en fait. C'était uniquement par là qu'il fallait passer. Mon dieu, c'est quoi leur truc? Ah oui, rien que ça. Sacré serpent, hein. Putain, ils ont failli me tuer, d'abord. Loué soit le dieu qui t'envoie. Sans toi, il m'aurait dévoré vivant. Je ne pense pas qu'il puisse te manger. Mais il m'aurait tué à coup sûr. Alors merci. Ça me fait toujours plaisir de venir en aide à quelqu'un. Ce monde manque hélas de gens comme toi. Surtout en ce moment. C'est Périclès qui m'a envoyé. Il s'inquiétait pour toi. Tu te retrouves souvent ligoté et entouré de serpents? Comment peux-tu plaisanter? Des bandits sont entrés chez moi. Ils m'ont traîné ici et ligoté avant de lâcher ces infâmes créatures. Il faut les arrêter. Les serpents? Non, les bandits! Je vais les trouver, Métiokos. Ne t'en fais pas. Les tensions sont vives dans la ville. Si ça continue, nous allons nous entretuer avant que les Spartiates ne franchissent les murs. Bon, on va tuer ces bandits, c'est pour ça j'ai pas voulu parler trop longtemps avec, parce que c'est juste des bandits en fait. Ah, où sont les bandits? Ah, qu'est-ce qu'ils sont les bandits? On s'en fiche. Par contre, il y a eu un gros décalage au niveau des lèvres. Hein. Ah, les doublages sont pas très bien réussis hein, pour la langue française. Hein. Peut-être l'anglaise, elle est parfaitement bien alignée avec le dialogue, mais alors la française, oui. On va pas se mentir, hein. C'est pas non plus un truc spectaculaire. Hein. Je doute que cette partie d'Athènes fasse la fierté de Périclès. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Ouais. Ah putain, enculé. Non, change de flèche. Ah, fais chier. Ouais, elles font très mal mes flèches classiques, donc ça va. Des serpents. Qui les a mis là? Y'a pas de serpent encore planqué là? Des morsures de serpent. Et quelqu'un a caché le corps. Mais je pense que cette mort était un accident. Je pense qu'il faut monter sur le toit. Apparemment, les bandits qui ont attaqué Métiokos n'ont pas imaginé leur plan tout seul. Ce doit être la maison de ceux qui ont attaqué Métiokos. Mais ce message montre que l'idée venait de quelqu'un d'autre. Qui? Qu'est-ce que tu fouines autour de ma maison? Vous avez attaqué Métiokos. J'ai trouvé les serpents, la lettre de votre ami et un corps. Ici. Oh, pauvre Actis. On connaissait tous les risques. Il faut souvent verser un peu de sang pour changer les choses.
Je sais que quelqu'un vous a donné ces serpents et qu'il s'est servi de vous. Alors je veux savoir qui c'est. C'est un vrai héros, Athénien. Aucun des sbires de Périclès ne peut l'arrêter. Dis-moi ce que je veux savoir ou je vous tue. C'est aussi simple que ça. Vous et votre cause, on n'en parlera plus. D'accord, d'accord. Il a un campement à l'extérieur des murs. C'est là qu'il vend ses serpents. On peut encore changer les choses. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Oui, tu as peut-être raison. Rien ne t'obligeait à nous épargner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Commencez ici, dans votre quartier. Oubliez les hommes politiques. Et changez ce que vous pouvez changer. Merci. On va essayer. Je dois débarrasser Athènes de ce vendeur de serpents. Et plus tard, ils me péteront la gueule, hein, tu vas voir aussi. Ça, c'est à force d'épargner trop les gens. J'ai remarqué qu'ils te pètent la gueule au bout d'un moment. Je te jure, ils se rebellent. Hein. Bon, ça se trouve là-bas. Il n'y a pas un piranha qui va sortir de l'eau? Non, ça va. Ils ont été gentils. Oh, c'est à côté le campement. Donc nous, on est là. Et là-bas, je pense qu'il y a... Ben, il n'y a personne, en fait. Personne. Une rencontre empoisonnée. Tu es le vendeur de serpents. Tu le vois, toi, quelque part, le vendeur de serpents? Je vais me montrer prudent par ici. En fait, c'est que des serpents qu'on va trouver. C'est un niveau quand même assez chaud, je te le dis tout de suite. Moi, bon, je procède comme avec les mercenaires. Hein. Ah, carrément, l'aigle, il vient de me porter secours. Donc, désolé, je vous ai déjà dit plusieurs fois que même avec les flèches qu'on a, etc., il faut à chaque fois se faire chier à rentrer dans l'inventaire. Les mettre à fond. J'utilise pas les autres parce que regardez tout ce que ça consomme. Ça consomme trop de ressources et je garde en fait les ressources uniquement pour le navire en fait. Donc là, il est pas très très fort. On va pas non plus faire tout un plat à utiliser des flèches spéciales pour le tuer. Hein. Merde. C'est bon. Sa mort devrait sauver la vie des amis de Périclès. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer, tu penses, ici? Eh, hey, Pep, ta sœur, toi? Sois pas trop désagréable avec moi, le serpent. Oh putain, y'a que des serpents ici. Oh là là, je me casse. C'est bon, t'as gagné. Garde-les, tes trésors. Donc, j'ai bien fait de les épargner parce que maintenant, faut leur rendre des comptes. C'est bon, les gars. Vous pouvez vivre maintenant. J'ai tué le chef qui vous a mis dans ce pétrin. Ne reproduisez plus jamais ce genre de conneries. Sinon... Gare à moi. Si je vous trouve sur mon chemin, je vous exécute tous. Un par un. Et le premier qui glisse, je le rattrape et je le tue. T'imagines? Je peux faire des sacrés scénarios. Hein. Qui aurait cru qu'ils avaient barricadé toutes les portes? La situation a l'air meilleure qu'à notre dernière rencontre. Le danger est écarté pour l'instant. Mais tant que ces monstres seront là... Personne ne sera en sûreté. Tu as été ligoté par un groupe de pêcheurs, eux-mêmes manipulés par un vendeur de serpents qui travaille pour les ennemis d'Athènes. Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Je leur ai montré qu'ils se trompaient et je les ai laissés partir. Ils ne t'ennuieront plus. Je suis content que tu ne les aies pas tués, mais comment sais-tu qu'ils ne recommenceront pas? Je leur ai fait comprendre que tout acte stupide m'agacerait beaucoup. Oh, cela a dû être une expérience terrifiante pour eux. Merci de ton aide, Mystios. Je n'oublierai pas d'en parler à Périclès. Je croyais que c'était un mec qui se battait avec une poule, parce que des fois, dans ce jeu-là, tu peux avoir des poules qui t'agressent. Hein. Donc je te cache pas que j'ai fait un truc tout bête. Je vais vite fait sauvegarder. Donc, parce que bien sûr, comme je t'ai dit, des fois il peut y avoir des bugs de PlayStation ou tout simplement le jeu redémarre. Ou tout simplement on se fait fumer par un mercenaire, tu sais pas d'où il sort, mais on peut se faire avoir très facilement. Donc là, on va voir qui est notre copain. Je
sais pas si on peut voir le dirigeant tout de suite là. Imagine, j'arrive à le tuer, ça serait vraiment marrant ça. Je le tue, je gagne le respect du peuple et je suis élu au pouvoir. Ça, ça aurait été marrant ce genre de scénario quoi. Genre c'est toi qui fais des discours improvisés. Ah, elle est bien fortifiée dans son palais, je suis sûr. Hein. Bien sûr, par la porte principale, nous pouvons pas passer. Oh là là, il est où lui? Où est-ce qu'il se planque encore celui-là? Coucou, je vais te tuer. Je vais prendre ta place. Bon, en fait, il est bien planqué comme d'habitude. Hein. Ils ont mis 1000 escaliers pour descendre, en fait, le voir, lui. Je sais pas si on peut le tuer. Je pense pas, parce que c'est scénarisé, mais... On peut pas. On peut juste lui parler, si tu veux. Sauf qu'il s'en balance total de ce que tu vas lui dire. Périclès, viens, Ken. Allez, viens, fais-moi un bisou. Vas-y, viens-moi dans un coin. Périclès, viens, pourquoi t'as perdu une fille? Viens. Ça marche même pas, le dialogue, y'a rien. Ah, c'est pas vrai. Donc, le prochain... Il est où, en fait? Rapidement. Ah bah, les deux sont à côté. Ah, lui, à mon avis, il va vraiment avoir des ennuis. Quelle direction? En face, ok. Oh, c'était bien pour visiter, tu vois. Mais ils ont bien quand même pensé qu'il y avait un petit sadique qui allait arriver tuer le dirigeant. Après, Ubi, ils auraient plus d'histoire à nous proposer, hein, si je tue leur dirigeant. Est-ce que tu crois si on sort, les gardes vont nous faire des cadeaux ou pas? Non, ça va, ils bougent pas. Ils ont reçu un ordre de pas intervenir si je fais des conneries. Franchement, ce serait bien qu'ils nous donnent des gadgets supplémentaires. Excuse-moi, mais je suis arrivé. Dans pas longtemps, donc... Ici, on a quoi? Ah ouais, sympa la petite zone, en fait. Franchement, je trouve ça quand même beaucoup de charme. Hein. Bon, les poulets terroristes, ils sont là. Moi, je me casse. T'es fou! Ils m'ont sauté dessus plusieurs fois, ils m'ont fait super mal. Donc, les enfants, ils s'amusent ici. Ah, c'est dans la demeure, là-bas, que ça se passe. Non, pas encore. D'accord, donc le mec se trouve au premier étage quelque part. Je sais pas si on a moyen de... passer à l'intérieur ici. Non, je m'en doutais que c'était encore fermé. Je suis sûr que lui, tu peux l'attraper par le toit. Ah, la blague. Ça, c'était beau, comme crampe. Est-ce que tu as pas ouvert une fenêtre quelque part ou une porte? Mon dieu, mais ils ont jamais de porte chez eux ou quoi? Tu passes par la fenêtre ici. Bah non, en fait. En dessous, on peut pas passer? Non, parce que des fois, je te dis, le jeu, il peut être étrange. Hein, donc peut-être que j'ai pas fait attention au niveau du toit. Mais je pense pas qu'il y a quelque chose. Hein. Des tuiles pétées. C'est vraiment pas entretenu ici, hein, Athènes. Hein. Ça commence à se dégrader. Hein. Ah, elle a une porte. Bah quoi, écoute, je cherche les fenêtres, moi. Merde, pas les portes. Halt! Je ne peux pas te laisser passer. Écarte-toi, c'est important. J'ai ordre d'éloigner les gens. Tu pourras voir Phidias après son procès, s'il n'est pas condamné à mort. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de voir Phidias.
Si tu vois ce que je veux dire. Oh, oh. Tu viens le voir une dernière fois avant son procès. Il va sûrement mourir, tu sais. Alors occupe-toi bien de lui. Oui, ne dis à personne que je suis venue. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, le côté coquin, ça marche tellement bien dans le jeu. Bon, je sais pas, je prends des raccourcis à ma façon. Hein. Pardon, désolé. Comment as-tu fait pour entrer? Le garde ne laisse passer personne. Du calme, c'est Périclès qui m'envoie. Oh, loué soit Athéna. Je savais qu'il m'enverrait de l'aide. J'ai eu peur qu'on t'ait envoyé me tuer. Hum? Qui ça? Les ombres de la nuit, qui font craindre le sommeil. Elles me traquent, elles nous traquent tous. Plus personne n'est en sûreté à Athènes. Alors tu es au courant? J'ai essayé de parler à Périclès, mais nous avons été interrompus. Naturellement que je connais le culte. Tiens, regarde ça. Ce sont des instructions. Pour mon meurtre. Mais on les a déchirées. Alors ce n'est pas à cause du procès que Périclès veut te faire quitter Athènes. Il a peur qu'on te tue. Je ne sais plus à qui me fier. Je ne suis qu'un artiste. Tout ce que je veux, c'est créer. Dis-moi ce que je dois faire. Avant tout, il faut que tu te ressaisisses. Tu vas être jugé, la population est contre toi. Et voilà que j'apprends que le culte veut ta mort. Ah. Je ne t'ai pas dit de te ressaisir. Si, si, où ai-je la tête? Cléon prétend que tu gaspilles l'argent du peuple. Il est déterminé à lui offrir ta tête. Cléon a parlé de moi? Ça va nuire à Périclès. D'abord l'irrévérence, maintenant le vol, après tout ce que nous avons fait pour la ville. Vous avez l'air proche, Périclès et toi. C'est notre amour pour Athènes qui nous lie depuis toujours. Et nos différences nous poussent à la grandeur. En cela, c'est une véritable amitié. Très bien, il faut partir. Où faut-il que je te conduise d'après toi? Il y a au sud d'Athènes une île appelée Sériphos, où habite mon ami Terras. Quand j'ai eu vent de ce complot contre moi, je lui ai fait passer un message. Si quelqu'un peut nous aider, c'est lui. Bien. S'il a des indices sur l'identité des adeptes, tant mieux. Oui, tout peut être utile. Un garde! Je vais le distraire pendant que tu t'éclipses. Retrouve-moi ce soir, nous partirons pour Sériphos. Attends de me voir sur les quais pour te montrer. Très bien, j'ai compris. Tu ne croyais quand même pas que j'allais te laisser tranquille comme ça, non? Bon alors, tu es où? On va le tuer. Le plus costaud... Je commence toujours par le plus costaud, moi. Ah, ils me font chier par contre avec leur bouclier, c'est incroyable. Bon, écoute, ton bouclier m'a saoulé. Toi, tu t'en vas. Ils s'attendent pas en fait à avoir une puissance de frappe aussi élevée. Ah, il dort bien. Merci. Est-ce que tu as laissé des trésors, Périclès? Non, j'ai pas dit Périclès. J'ai pas dit le mot Clès. Non, 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 non. Oh putain, mon dieu, faut que j'arrête. Mais qu'est-ce que ça part en couille? Donc, c'est bon. Ça se trouve juste en bas. Ça m'en est pas poursuivi. Ah, le pouvoir qu'on a, il est franchement démoniaque. Hein. Attention, poulet, donc ça va, ils vont pas nous tuer ceux-là. Donc je te cache pas que j'ai plus parcouru, on va dire, la distance à pied qu'avec le cheval. Le cheval, franchement, Phobos. J'aurais dû me faire rembourser. Il m'a pas trop servi. Pour pas dire quasiment pas du tout. Donc on se trouve dans l'autre partie. Montre-moi sur la carte. Si on descend en bas, je te jure, je suis le premier à rigoler. Oh, c'est long, putain, sur PlayStation à charger juste une carte. Regardez le temps que ça prend. Ok, on est là. Donc je te cache pas que je vais faire un truc tout bête. Avant d'y aller, je vais synchro. D'abord, non, même pas. Je le ferai tranquillement de mon côté.
Alors, les contrats, c'est très intéressant d'avoir les deux en même temps, avant de partir en mer ou autre part. Donc là, ce serait bien qu'on a des tablettes. Si tu as des questions, je t'écoute. Améliorer. Normalement, c'est bon, je suis complètement à fond. Le seul truc que j'améliore depuis quelques temps, c'est uniquement mon arc, en fait. Il est où, mon arc, en fait? Ah bah tiens. Ah, parce qu'il est déjà amélioré, pardon. Oh lolo, moi... Oui, parce qu'en fait, c'est le seul truc que j'améliore. Tablette ou pas tablette? Non, pas de tablette. Ah, mais là, tu vends, espèce de con. Faut que t'achètes. Pour avoir des tablettes. Non, il n'y a pas de tablette. Je vérifie. Par contre, j'ai trop peur de gaspiller mon argent pour acheter ce genre de truc, quoi. Là, ça va, au niveau fer, on peut se remettre bien. Mais c'est les navires qui rapportent le plus. Merci d'être passé. Ah, Kirish, Kirish. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on prend tout. Prime mercenaire. Si par exemple j'ai un mercenaire en fait qui est présent dans la zone, j'ai tout simplement l'occasion de le tuer. Donc c'est super facile à faire. Je vous montre rapidement. On va pas le faire. Hein. Je vous le montre. Quête mercenaire, elle est où? Quête mercenaire, on va tout prendre. Oh là là, j'ai 30 trucs. Hein. Quête mercenaire. Voilà, tu es le mercenaire. Je vais vous montrer où il est. Hein. Bah, il est juste à côté. Mais il est où le mercenaire? Pour une fois, ils me le mettent à côté. Bouge pas. Ah non, mais là, ça va, il est à côté. D'habitude, je vais plus loin. Vous allez voir tout ce que ça XP. Après, on repart de l'autre côté. Bon, écoutez, dégagez. Je suis pressé. Par contre, j'ai pas fait gaffe au niveau du mercenaire. Où est-ce qu'il est caché, celui-là? Mais il est là-bas, en fait. Par contre, le cheval, des fois, il met trop de temps, en fait, à galoper. C'est ça qui m'en fout, en fait. Il se balade, tranquille. Il n'avance pas tant que ça, hein. Tu vois, il me sert strictement à rien en fait parce que je veux passer en mode plus rapide. Oh, il y a un âne. Oh putain, ça aurait été marrant. Tu lui donnes une carotte et en fait, tu montes dessus, tu fais un petit tour. Après, il se fout de ta gueule. Bon, écoute, je vais juste ici. Je sais que pour certains, c'est vrai, Bodhi, à chaque fois, il fait des trucs. Il va là, après, il change de discours. Mais non, fais confiance à Bibi. On va tuer le mercenaire, il est juste à moins d'un kilomètre. Après, vous allez kiffer les XP qu'on va se taper. Vous allez dire, ah ouais, j'avoue, hein. C'était intéressant. Est-ce que j'ai mes flèches ou pas? Ouais, ça va, elles sont là. Et c'est là que je me tape un niveau de salaud. Ouais, d'accord, il est où lui? Mais vas-y, ils l'ont mis au bout du monde ou quoi celui-là? Donc en fait, c'était pas si près que ça. Mais après, j'ai eu l'occasion de me téléporter à mon navire aussi. C'est quand même des sacrés monteurs avec ça. En fait, tu es traqué par des mercenaires, mais des fois tu peux traquer des mercenaires. Depuis pas longtemps, je peux le faire. C'est sympa ici. Eh, peut-être que je vais trouver un site antique. C'est là que je trouve les tablettes, je suis le premier à rigoler. Bougez pas. Ah bah tiens. Eh, ici il y a des tablettes, je te jure, je me suis refait. Hein. Le mercenaire, lui, bouge, hein, par contre, hein, faut le savoir. Voilà. C'est pour ça que j'arrive pas à l'attraper, parce qu'il bouge. Oh, tablette ancienne. Je le fais, le site. Direct. Voilà, j'ai besoin de cette tablette. Donc, déjà, on s'occupe de lui. Et on reviendra ici faire le truc. Donc, il est à cheval. Hein. Bon, Phobos, pour une fois, tu vas m'aider, viens. Je pourrais pas rivaliser avec ce petit con. Bon, écoute, Phobos, t'es où? C'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'attraper, parce qu'il n'y arrête pas de prendre la fuite. Putain, Phobos, vas-y, arrête de me trahir. Je suis en train de filmer. Mon dieu, comment tu galopes, toi? Calme-toi, je pourrais pas te tuer, sinon. Écoute, je déclenche le... Ouais, c'est pas moi. Oh, putain, on se casse. 26, je suis mort, hein. Je peux pas rivaliser en fait. Je pourrais le tuer, mais on va mettre une demi-heure à le tuer. C'est pas ce qu'on souhaite. Ah putain, tuer la mercenaire. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a fini en fait par découvrir quelque chose ici. Merde, 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 je suis mort. C'est pas grave.
Putain, Phobos, dégage. C'est quoi, c'est pas un disciple, rassure-moi. Donc on va morfler parce que c'est quand même une nana très puissante là qu'ils ont. Oh ouais. Bon, peut-être que pour elle, rien que pour vous faire plaisir, on va utiliser un peu les autres flèches. Hein. Comme ça, vous allez voir à quoi ça sert. Hop là, bougez pas. Je resélectionne d'autres flèches. Hein. Poison. Ah mais c'est la fameuse secte à la con là qui est... Putain mais tu sais viser ou quoi? Donc ça c'est pas les flèches que je préfère. Je préfère ceux-là moi, le feu. Ou les autres. Attends. Donc désolé mais pendant ce temps-là moi je me sers. Hein. Ah le connard. Pourquoi il gueule comme ça lui? Attends, il y a une tête qui va sortir. C'est bon, lui, je pense qu'il va claquer. Voilà, ça en fait un de moins. Et la plus costaud, il est où, en fait? Attends. Ah, bah, elle est là, je crois. Tellement qu'elle brûle, en fait, elle a du mal à s'en remettre. C'est bon, on l'a tué. 700 machins. Je sais pas si c'était une mercenaire elle. Non. Ah bah tiens, beau collier tout ça. Mon tablette des anciens, c'est ce que je voulais en fait. Parfait, j'en ai 4. Et on retourne au bateau. Et avant d'aller au bateau, navire, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Bah là j'ai 6 tablettes. Donc on pourra tout simplement pas améliorer ce qu'on souhaite, mais c'est déjà pas mal. Donc déjà, les javelots, je pense que ça peut être intéressant. Donc 6, 3, plus... 4, fait chier. 3 plus 3, ouais les deux. Amélioration. Amélioration. Voilà pourquoi je garde mon argent en fait. Rien que pour ça. Donc plus tard il va nous manquer juste ça. Donc déjà on va leur faire des sacrés dégâts. Donc par contre 9 tablettes et bonjour l'argent. C'est pour ça que je vous dirais dès l'argent que ça coûte en fait d'améliorer tout le navire. Hein. Ça va nous demander complètement une blinde entière. Je crois qu'il vaudra pratiquement 300 000 en fait au final. Si tu améliores tous les trucs. Ok. Phobos. Phobos, fais pas le bâtard. Phobos. Tu m'as lâché, connard. Mais c'est quoi ce cheval de merde? Phobos. Phobos, arrête de courir. Viens. On s'en va parce qu'après... On va jamais finir cette quête. Mais en tout cas, voilà, ça a été fait. Oh putain, c'est quoi ce truc? Une chauve... Oh là là. Ah, c'était sympa ici, cette zone. Des tigres. Ah non, c'est ce petit merdeux là, ce petit chaton. Bah, regarde comment le cheval il ralentit. Tu vois? C'est ça qui me saoule en fait. Il ralentit de ouf. Ah, il va pas nous lâcher jusqu'à temps que. Bah, on claque. Hein. Je zigzague exprès pour pas qu'il reste trop en ligne droite. Oh, le cheval il fait pas ce que je veux. Il peut pas rentrer, je crois, dans la ville. Ah bah si, 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 il peut entrer dans la ville, se faire plaisir. Les habitants ne peuvent pas m'aider, parce que j'ai un petit parasite depuis ma dernière exploration, il me lâche pas. Maudit, t'es en train de t'éloigner. Bah écoute, tu sais quoi, je continue à pied. Tu peux tuer Phobos, hein. Mange-le, mange-le. Ça te fera un super bon repas, t'auras plus de viande qu'avec moi. Bon, ça se trouve là-bas. Oh putain, c'est au bout du monde. Quoi, ça bouge là? Ah mais c'est le mercenaire! Je m'en tape du mercenaire maintenant. Ce que je veux, c'est l'histoire principale. Oui, parce qu'on ne peut pas le tuer. Ah, il m'a complètement mis dans le désordre. Mais c'est pas grave, regarde. L'autre quête, elle est là et c'est là que ça se passe. Fais confiance, c'est juste là. Je peux me téléporter normalement. Non, on n'a pas perdu de temps. Donc, on va retrouver notre copain. Où est-ce qu'il est, lui, tu penses? Attends, faut que j'active la quête principale, hein, donc désolé. Déjà, je fais un truc tout bête. Inventaire. Je remets vite fait les flèches.
Alors, la quête, elle est là. Donc, Odyssée 28. Ouais, parce qu'il faut aller les chercher, il était bien caché. Si je médite, peut-être que Phidias sera là quand j'aurai fini. Oh, bien, tu es là. Je commençais à m'inquiéter. Je t'ai dit que je te ferais quitter Athènes. C'est vrai, oui. Traîner ici ne nous apporterait que des ennuis. Partons pour Seriphos tant que nous le pouvons. C'est parti. Là, je vais vite fait voir où est-ce que c'est, parce que ça peut être hyper loin, hyper à côté. Donc, oh là là, faudrait qu'on navigue tout ça. Ah non, ça va, c'est sur l'île à côté. Donc, je me remets un objectif. C'est con, mais voilà. On va passer par là, et l'autre, elle est juste à côté. La blague. Tout au bout, quoi. Il faudrait déjà qu'on arrive à sortir de cette zone. Ouais, mon navire va assez vite, hein. Quand j'utilise cette compétence, mais c'est pas illimité. On s'habitue à partir, crois-moi. Hérodote, quelle est l'île qui est devant nous? Ça, ma chère, c'est la célèbre île de Salamis. L'endroit où Athènes a triomphé de Perse. Espérons que le culte nous laissera en paix, maintenant que j'ai quitté Athènes. Bon, là, je vais faire le mec un peu gentil, tu sais. Je vais éviter justement de provoquer les combats. Heureusement qu'on n'a pas de mercenaires à notre cul, parce que le bateau il tiendrait pas une minute. Hein. Oh putain, il y a trois navires sur nous là. Donc l'autre elle se trouve juste dans la maison en face. Là, pile poil sur l'extrémité où on va là. Par contre, je peux pas m'arrêter. Ça qui est con en fait avec le navire, c'est que je peux pas sortir à quel moment je le souhaite. Sinon, je sors ici, je l'explose la gueule en deux secondes. Attends, je vais voir si c'est possible. Repliez la voile, repliez. Tu vois? Ah, si c'est bon, je peux. Je te sens pas obligé. Comblez les silences. Non, je n'essayais pas de faire ça. C'est tout simplement que je prends rarement les... C'est parfois libérateur. Oui, libérateur me semble le mot juste. Donc l'aile, on va la tuer vite fait. Hein. Bah, ça m'évite de revenir exprès pour elle. Si tu sens que ça vient. Sinon, c'est toi qui nettoie. Voilà, elle est juste ici avec plein de gardes. Voilà, parfait. Oh, t'inquiète, on va juste la tuer. On va pas trop traîner ici. Ouais, bah putain, il y aura de l'hostilité là. Où est-ce qu'elle est, elle? Donc là, on a quoi? Ouais, pas grand-chose, juste le chef. Le lieu sera bien défendu. Déjà, faut que je trouve l'entrée, ça m'évitera de galérer, tu sais. L'entrée. Déjà, elle est pas là. Oh putain, si c'est là, on est dans la merde. L'aigle, il fait pas ce que je lui demande. Hein. Attends. C'est vraiment par là. Ouais, c'est par là. Eh merde. Ça va, en pleine nuit, je suis plus silencieux, justement. J'ai une capacité spéciale. Putain, c'est elle, en plus, qui est là. Ah mais c'est un boss que je dois affronter, putain. Ah mais attends. Ah fais chier, putain, je me suis mal fait. Attends, je vais vous mettre des flèches spéciales, les gars, bougez surtout pas, j'ai une petite surprise. Par contre la surprise elle marche aussi sur moi. Dégage.
Ça brûle. Ah, attends, je vais mourir comme un con. Ah, je suis en train de faire n'importe quoi là. Bon, c'est le moment de sortir un peu et de vadrouiller. Je reviendrai dans quelques secondes. Hein. C'est juste, ça sert à rien de rester tous confinés dedans parce que ils vont faire ce qu'ils ont envie. Oh, je leur fais des cadeaux. Voilà, là je suis déjà mieux. Oh, un petit trésor devant. Non, 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 c'est bon, je le prendrai après. Donc j'ai des vrais ralentis. Donc ça, c'est pas les flèches les meilleures pour pouvoir les assommer. Hein. Putain, mais les bugs de son, ça commence à être un peu chiant, ce boîtier, je te jure. Bon, on va la voir, hein, c'est juste une question de 10 minutes, quoi. Parce qu'en fait, j'ai oublié que c'était pas n'importe qui, celui-là. Eh merde, je brûle aussi. On m'arrache surtout pas les fesses. Bon. On change de flèche, on va repasser au normal. Et là, ça va être plus facile. Mais je te jure, sur PlayStation, il est horrible le jeu. Dès qu'il y a trop d'éléments, il a tendance un petit peu à péter un tout petit plan. Voilà, ça c'est fait. Quoi, il s'est régénéré, mais il est sérieux lui. Combien de flèches nous avons? Ouais, ça va, 18. Je peux encore en sortir. Non, non, tu m'auras pas. Attends, je repasse de l'autre côté. Donc c'est bon, là j'ai déjà de quoi survivre. Ok, il me reste qui là-bas au fond? C'est bon, prochain. Oh, pas bien de parler comme ça, tiens. Bon, ça c'est fait. Loot, elle se trouve où? Juste ici, c'est plutôt l'autre, c'est le boss qui se trouve là. Merde. Bon là, ce qu'il faut faire encore, comme d'habitude, c'est aller se faire chier dans le menu. Pour recrafter les flèches, allez, vas-y. Je vais la voir. Pour l'instant, j'ai eu juste chaud dans l'endroit où on était caché, mais ça va. Ah, bon là, il y a des renforts qui sont arrivés. Donc c'est qui s'est pointé? C'est quel niveau déjà? Capitaine. 22, ça va, on va juste un peu transpirer, mais ça va. Bon, body, j'ai l'habitude, j'en ai tué 160 des petits merdeux comme ça. Attends, parce que... en plus on a des trucs légendaires avec lui, attends. Depuis que j'ai les pouvoirs, ça va aller beaucoup plus vite. Coucou, je suis là. Remonte ta tête. En plus, ce qui est con, c'est que je peux l'embarquer dans mon navire. Je m'enfuis et je... Voilà, c'est esquivé. Fais gaffe parce qu'elle envoie une salve de flèches, cette saleté. Dernière flèche dans ta gueule. 5 mercenaires par contre en même temps, c'est beaucoup plus délicat, je vous assure. Des fois ils sont arrivés à 5 sur moi, je galérais pour les tuer. Bon, on était où là? On était avec elle. Putain, avec lui, pardon. Confirmé. Il n'y a pas.
Donc c'est bon, ça a été fait. Donc là, on va récupérer le trésor. Pas le trésor, mais quelques ressources. Les trésors, bah, il y en a un à l'extérieur, un à l'intérieur. Bien sûr, pour pouvoir faire la quête à fond, faut brûler cette connerie. Non. Les autres trucs sont à l'extérieur là-bas. Ça nous évitera de revenir en fait ici. Bon, par contre, ça serait con si je l'allume tout de suite parce que on va sortir dans quelques secondes. Parfait. Et le dernier. Tu te fous de moi ou quoi? Attends, j'ai rien d'un truc. Ah, le trésor, il est où le troisième? Il va être quelque part. Ah bah ouais. Si tu pars sans le faire, ça va pas le faire. Le pire, c'est qu'il a même pas brûlé l'autre. On dit, c'est même pas lancé une torche correctement. Alors là, si ça brûle pas, c'est qu'il y a un petit souci. Toujours pas brûlé. Ce truc là, là-bas, là, il est presque immortel, t'as l'impression. Toujours pas. Ah, mais c'est incroyable le bug. Bon, si tu tapes dans le mur, c'est sûr ça va pas le faire. Mais putain, mais arrêtez! Là, ça brûle. Bon, je reprends mon navire. Tu vois ce qu'on obtient? Mes nouvelles armures. Et là, il y a un requin blanc qui arrive et qui me bouffe. Oh, comment je suis vert! Si ça m'arrive, allez, on va quand même à la destination, même si l'épisode sera un peu plus long, c'est pas grave. Mais au moins, il a été éliminé, quoi. L'île est juste en face, donc franchement, fallait pas qu'on se gêne, on est bien d'accord. Donc ça, c'est des mercenaires, non, c'est pas des mercenaires. Donc c'est là qu'il va se réfugier à ce que je vois. D'accord. Sympa quand même les petits chills comme ça, ils ont bien pensé. Hein. Bon, tu me diras qu'en Grèce c'est ce qu'il y a. Hein. Accueil, moi ça va. Je te cache pas que j'essaie d'engager aucun combat. Ah, ce chant il me rend dingue. Hein. Tu peux pas les faire taire? Merci putain, c'était bien de plus les entendre ces chanteuses du dimanche. Je suis content de te voir sain et sauf, Phidias. Moi aussi, Terras. Comme tu peux le voir, je ne suis pas venu seul. Ah oui, voilà l'héroïne compatissante dont parlait ton message. Je suis heureuse d'avoir pu lui sauver la vie. Et pour te remercier, j'ai trouvé des informations sur un dénommé Brison qui cherche à tuer Phidias. Espérons que cet indice pourra t'être utile. Il l'est. Remercie Périclès pour moi, et fais-lui mes adieux. Et sois prudente. Je pense que beaucoup sont encore en danger à Athènes. D'accord. Le rouleau. Quête terminée. La fuite d'Athènes, oh, les XP, c'est juste incroyable. C'est quoi ça? Voilà, adepte du cosmos. Je suis sûr qu'il y en a ici, sur cette île. Je serais pas surpris qu'il y en a un là. Allez, dévoilons un visage. Ouvrons la boîte de chocolat. Je jure sur ma vie et sur les vies que je prendrai, que je ne trahirai plus jamais Cosmos. Pas mal, pas mal.
Elles sont super bien équipées, les types. Hein. Donc celui-là, on peut l'ouvrir. Celui-là aussi. Bon, celui-là, il est trop puissant. Le culte n'est rien sans moi. Même les dieux se cachent en me voyant. Soumets-toi ou meurs. Ah ouais, donc c'est mon frère carrément, quoi, qu'il faudra que je tue. Ok, on n'a pas encore le niveau frangin. Ah là là. Et attends, c'est pas fini. Il y en a encore 0 à ouvrir. Ok, bah donc on progresse hein, dans l'attitude. La carte. La carte. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Donc là, je vais synchroniser pour éviter de renaviguer. La carte, elle ne dit pas où est-ce qu'ils sont les autres. Ah, là en mer? Ah, c'est le capitaine, je pense. Lui, on essaiera de le sécher dans pas longtemps. Ok. Donc son navire, on va l'exploser. Sachant que je pense qu'on peut le faire. Bah, les autres sont bien dissimulés. Hein. Il n'y en a plus dans la ville là où je suis. Non. Bah écoutez, bon, on a vu... Ah oui, si, sur la petite île juste ici. Je l'ai même pas explorée cette île. Elle est juste à côté de chez moi, mais je l'ai même pas explorée. Elle appartient... Ah oui, à notre territoire en plus. Ah, c'est la Grèce. Tu vois pourquoi j'aime bien synchroniser? Tu viens là, tu retraverses et tu le tues. Voilà, c'est pour ça que je fais beaucoup de synchro. Et ça, sachant que ça donne des trucs, je vais vous montrer. La synchro ici. L'aigle, il devient de plus en plus performant. Voilà, vous avez vu? Tu peux t'amuser à faire des meilleurs trucs après. C'est pour ça que c'est bien de synchro. Bref, notre épée ne nous permet pas d'améliorer ça un peu plus. La furtivité, bon bah, je sais pas ce que ça peut donner. En gros, t'es invincible, quoi. Là, j'ai pas mal de trucs. Donc après, j'ai sélectionné les atouts que je préfère. Hein. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça, j'aime pas du tout. C'est un truc qui enlève le bouclier de l'adversaire. Donc ouais, c'est cool, mais je préfère les flèches. Donc les flèches, c'est le truc que je préfère améliorer. Certaines flèches, pas toutes les flèches. C'est quoi le tourbillon? Ok, donc c'est presque des flèches supersoniques. Ok, bah les amis, bah merci d'avoir suivi cet épisode. Et on poursuivra bah, de là où on est, en fait, positionné. Donc là, les améliorations que j'ai, faudrait que j'aille en fait refaire un tour. Parce que là, je fais quand même un peu pitié ce que je dispose actuellement. Ah, ça, c'est ce que j'ai déjà sélectionné. Donc niveau 23, ne me dis pas que j'en ai un plus puissant. Non, j'ai pensé que c'était ça. Les vêtements, tu vois, tout légendaire, ça ne veut pas forcément dire toute puissance garantie. Hein. Ah, tu peux gagner certains trucs. Faut vraiment privilégier ce qu'on aime, en fait, au niveau des atouts. La cape, ouais, si tu veux. Les jambes, on en a une deuxième paire. 21. Elles sont plus intéressantes. Bon, c'est exactement la même chose, en fait, tu regardes bien. Bon, elles sont pas améliorées, bien évidemment, mais... Ouais. Ça coûte trop cher d'améliorer ces petites bottines, tout ça. Le truc que j'améliore vraiment pour l'instant, c'est que l'arc. Parce qu'en plus, j'ai activé des compétences, donc c'est pour ça que je m'embête pas. Voilà, je vous dis à bientôt. Gros bisous.